Je m'appelle Nadia Chiari, je suis la dessinatrice du chat Willis from Tunis. Je chronique l'actualité en Tunisie sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Tous les jours, je fais un dessin avec ce personnage principal qui est un chat. C'était le jeudi 13 janvier 2011, le soir, pendant le discours de Ben Ali, le dictateur tunisien qui a fui le lendemain, le 14 janvier. Donc en Tunisie, c'était assez chaotique. Il y avait un soulèvement populaire qui fait qu'on était en plein couvre-feu. C'était le troisième discours de Ben Ali pour se tenir au pouvoir. C'était sa dernière cartouche en quelque sorte, quoi, parce qu'il nous promettait de ne plus se représenter aux élections, parce que bon, il était là à vie, de baisser le prix des denrées alimentaires de base. Et bien sûr de lever la censure sur Internet, parce qu'on était entièrement censuré, et de donner la liberté de presse et des médias. Alors que c'était le couvre-feu, ses partisans sont sortis dans la rue pour l'acclamer. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce dessin où on voit le chat, qui est en fait Ben Ali, qui dit « je vous ai compris », parce que Ben Ali n'arrêtait pas de dire « on m'a trompé, c'est pas de ma faute, je vous ai compris, je vous ai compris, je vous ai compris ». Il n'a rien compris du tout, quoi. Et le fait d'avoir publié ce dessin, de représenter donc les partisans de Ben Ali sous forme de souris qui crient « ouais, le prix du fromage a baissé, c'est génial, super », et le chat qui les regarde d'un air goguenard, « oui, je vous ai compris », c'est-à-dire il faut juste vous appâter avec des trucs débiles, et voilà, je vais me maintenir au pouvoir, comme j'ai toujours fait jusque-là. Je me suis dit « voilà, on va faire... un petit dessin, déjà pour le prendre au mot, pour voir si vraiment la censure est levée et on peut s'exprimer librement. Donc j'ai créé un profil sur Facebook. Et mon chat s'appelle Willis, donc je l'ai appelé Willis from Tunis, parce que ça rimait, c'était vraiment spontané. Donc, et j'ai commencé à publier ce premier dessin et d'autres durant la soirée. Et au départ, c'était pour faire rire ma famille et mes amis que je ne voyais pas, quoi. Chacun était chez soi, enfermé. Et donc ça a pris une ampleur qui m'a dépassée. Très souvent, j'ai fait des dessins pour, là aussi, pour faire rire dans les moments où on ne doit pas rigoler, que ce soit avec mes parents, avec mes frères, avec mes amis en classe, à l'école, bien sûr, avec les profs, mais aussi avec mon mari. Mes petits copains, à chaque fois que voilà, il y avait une scène de ménage entre guillemets, ben, je tournais ça à la rigolade. Là, l'histoire, c'est voilà, les petits SMS, je t'aime, tu me manques, bisous, etc. Bon, j'aime bien, hein, je dis pas le contraire, mais j'aime bien aussi me marrer. Donc en général, je réponds toujours des choses auxquelles on s'attend pas. Bon là, en l'occurrence, c'est si tu m'aimes vraiment, oublie pas le pain. C'est plus dans l'état d'esprit, bon, les mots c'est bien joli, parole et parole, mais le concret, nous on veut du pain, c'est tout. Donc, j'ai fait toute une petite série justement d'histoires de couple qui, je sais pas comment ça va s'intituler, mais la chute à chaque fois c'est salope. Donc ce dessin je l'ai fait en mars 2012, donc il y a un mois. J'y tiens particulièrement parce que c'est un dessin qui représente le cycle du pouvoir. Sous Ben Ali, on avait justement des éléments qui ont fait qu'il a dégagé. Il y a eu des élections en octobre 2011 où on a élu une assemblée constituante qui est censée rédiger la future constitution en Tunisie. Et donc le parti qui a eu une majorité relative aux élections, c'est le parti Nahda, donc le parti islamiste. Ils refont un peu les mêmes erreurs du passé. Donc j'ai fait ce cadran de montre qui commence par dégage et qui finit par dégage, donc automatiquement. Donc élections, pouvoir, intégrisme, népotisme, parce que ce parti au gouvernement ont nommé des neveux, des beaux-frères, des frères, etc. Bon, ils sont tous frères, hein, c'est logique, mais ça nous rappelle trop l'ancien régime où c'était des clans, des familles qui détenaient tout. Ensuite, corruption, parce que la corruption, c'est la chose pour laquelle, entre autres, on a lutté. La révolution a été faite contre la corruption. Donc en fait, ce dessin, quand je l'ai fait en mars, on était à dégage moins 20, c'est-à-dire entre népotisme et corruption. Et entre-temps, il y a eu donc des procès,
contre des blogueurs, des Facebookers pour des images à caractère blasphématoire, pornographique, etc. Donc là, on est arrivé au stade censure, d'autant plus que là, cette semaine, au niveau du gouvernement, ils veulent monter une sorte de d'équipe qui va sécuriser Internet. Sécuriser Internet, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, on passe à oppression. Et l'oppression, c'est ce qu'on a vécu donc cette semaine, le 9 avril 2012. Le 9 avril en Tunisie, c'est le jour où on rend hommage aux martyrs de 1938. On a failli devenir nous-mêmes des martyrs parce que c'était une pluie de lacrymogènes et de matraques et de coups de bâton. Et donc malheureusement, ce cycle, s'il se perpétue, on va aboutir à une grogne populaire et un ras-le-bol. Donc voilà, ce dessin-là, je l'ai fait juste comme une sorte de mise en garde. C'est pour ça que le chat dit tic-tac, tic-tac, le temps tourne, ne refaisons pas les mêmes erreurs, quoi. Courageux, je ne sais pas. Je pense que je suis plutôt inconsciente, mais depuis la révolution en Tunisie, tout le monde s'exprime à travers les réseaux sociaux. Tout le monde parle et librement. Donc je pense que ça va être très difficile de nous mettre tous en prison. Donc j'en profite pour faire passer tous mes messages. Alors bien évidemment, il y a des conséquences quand je publie un dessin qui va choquer. Par exemple, celui-là. Celui-là, c'est je représente un salafiste comme la créature de Frankenstein, en disant, voilà, quel monstre avez-vous engendré, docteur Frankenstunisia? En plus, avec la cicatrice, enfin la calotte, voilà, comme s'il avait été, il avait le cerveau manipulé forcément, et qui marche comme un automate. Donc, c'est me moquer des salafistes, et se moquer des salafistes, c'est pas recommandé en général, parce que la réponse est immédiate. Donc bon, pour le moment, ça va, hein, j'ai pas de soucis, j'ai beaucoup d'insultes, de menaces, mais c'est pas. Après, on n'est jamais à l'abri d'un allumé, mais bon, pour le moment, ça va. Donc s'attaquer à l'intégrisme, c'est toujours dangereux parce que justement, c'est de l'intégrisme. Il n'y a pas de quartier, quoi. La révolution, ça a été une révolution personnelle, artistique, totale et absolue. Parce que avant la révolution, je dessinais, je peignais, je faisais des expos, mais on ne pouvait pas parler de ce qui se passait. De toute manière, on ne pouvait aborder aucun sujet. Si on parlait du pouvoir, forcément, on avait des soucis. Si on parlait de l'économie, on parlait automatiquement de Ben Ali. Si on parlait de l'agriculture, ben ça ne marche pas, donc c'est automatiquement parler de Ben Ali. On ne pouvait aborder aucun sujet sans toucher au pouvoir et sans se faire taper dessus. Donc, du jour au lendemain, on a été totalement libre de s'exprimer, de critiquer le pouvoir. Moi, pour moi, c'est une des seules vraies victoires concrètes de la révolution, c'est la liberté d'expression. Et il faut rester vigilant tous les jours et la conserver.